Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, c'est un épisode de Robocraft, chers amis, toujours avec le White Tiger, qui est complètement stylé, complètement pété, je trouve, moi personnellement, visuellement. Surtout depuis qu'on lui a rajouté son missile, où il fait une quantité de dégâts complètement incroyable et qui permet en fait de finir simplement les ennemis avec les mini bombardiers. Oh, c'est même pas censé exister ça. Hop. Hop, voilà. On va essayer des choses. Oula, on a été repéré. Hop. Dégage. Hop, parfait. Non, je suis désolé, faut pas exagérer non plus, tu peux pas me faire de dégâts à cette distance. En tout cas, pas de dégâts splash à cette distance. En tout cas, s'il y a un ennemi comme ça, on a vraiment pas de bol. On va essayer de faire le tour. Hop. Hop, d'ailleurs. Hop. Il me saoule celui-là. Hop, bah venez. Venez, je vous attends. Hop. Hop, les parfait. Y a pas l'autre trou du cul qui arrive par là, non? Non, c'est bon. Hop. Hop, les. Hop. On va essayer de s'approcher. Hop. Hop. Non, c'est faux. Tu ne peux pas me toucher, c'est faux. Je suis trop puissant, trop badass. Bon, alors. Je croyais pas qu'il ait un petit côté Batman en fait, je trouve. Dans le sens où il est un petit peu trop classe en fait. Oui, bah je suis dessus, on se calme. Hop. Hop. Hop les. Quoi? Nicolas Utsa, bien joué, tu es une perle. Hop. Tu es littéralement le meilleur. Oula. J'ai un gros manque de vitesse. Hop. Hop les, voilà. Raté. Shoot the... Ah oui, the link points. Oui, bah effectivement, il a raison. Il a raison. En train de perdre toutes nos tours. Non, arrête. Repenche-toi en avant. Voilà, sinon tu vas décrocher trop vite. Là, par contre, il y a un robot qui ne me plaît pas.
Hop. Hop. Ok, on va attendre. Apparemment, on a beaucoup moins d'armement en dessous maintenant. Ce qui est possible, hein. À 52% d'énergie, c'est fort possible. Hop là. On va quand même échoper la tour. Hop, il est vraiment génial. D'une classe. Hop, parfait, oula. Hop. Dommage, je ne peux pas le viser de là apparemment. Hop. On y retourne. On y retourne. Hop. On va essayer de choper la dernière tour qui nous reste. Merde, Crudy. Hop. Voilà. On va essayer de passer derrière les rochers pour être sûr d'être à couvert. Crac, ça se passe plutôt bien. Hop. Le fait que les snipers puissent tirer précisément en mouvement, ça ne me plaît pas. Soyons honnêtes, ça ne me plaît pas. Hop. Ah. Hop, vas-y, bouffe. Aïe. Aïe. Hop. On se pose. Attends, pousse-toi parce que je suis coincé. Je suis désolé, je suis coincé. Hop, merci. Hop. Voilà. Non. Oh putain, mais la solidité de ce truc. Oh non. Hop. Hop. Hop, voilà, ça c'est fait. Et ils l'ont eu, GG. Alors, mes touches fonctionnent pas vraiment, si c'est bon. GG. Hop. Bon, on n'est pas très très bon, mais au moins on a quelques points. On n'est pas non plus les pires. Bon, bah là une bonne nouvelle. Une gold, qu'est-ce qu'on va tomber dedans? Ah ah ah. Rare! Epic! C'est le truc le plus intéressant qu'on puisse avoir en épique. Bon, c'est pas grave. Bon! Et ben, il est stylé ce robot! Il est stylé ce robot! De toute façon, il va falloir qu'on se fasse un rhino prochainement. Hein. Faut que je trouve un moyen de faire un rhino sympa. J'ai bien ma petite idée, mais faut beaucoup plus de points. Finalement, c'est important à vous faire. Qu'est-ce qu'il a? Il va se marier?
va te marier. Wouah! C'est la fête! Je vous rappelle, chers amis, que vous pouvez aussi aller chercher donc Marcus, hop, oula, bonus, hop, vous pouvez entrer et vous tomberez sur les différents robots de la chaîne. Je vous invite par contre, s'il vous plaît, à ne pas abuser de ce nom. Ce nom, il est copyrighté, il est à moi. Je reporterai tous ceux qui, malheureusement, l'utiliseront. Hein. Hop. Voilà pour ça, d'accord. Oui, je voulais aller voir aussi là-dedans. Je voulais aller voir là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on a en trop? Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir choper des roues comme ça. Là, par exemple, on a deux comment... Hop. Deux trucs au-dessus de 10, on peut les supprimer. Là, on en a 3 au-dessus de 10, on peut les supprimer. Hop, ça nous fait pas beaucoup de cubes, hein, mais... Là, je peux en supprimer 2, là, je peux en supprimer 1, là, je peux en supprimer 1. Ça, tous les propulseurs, je les garde parce qu'on a toujours l'utilité, finalement. Ici, si on a des trucs en 16. Bon, là, en 16, par contre, ça peut être pratique. Là, j'en ai 3 de trop. Non, pas dit, c'est pas dit. Ça, tout ça, j'ai envie de les garder. Bon, bah, on va déjà recycler tout ça. Et on a 50 000 de quoi s'acheter une roue. Donc, c'est pas, vous voyez, c'est pas épique. C'est pas épique dans l'épicness. Bon. C'est vrai que si on en revendait un truc comme ça, ce serait pratique aussi. Hein. Mais bon. Qu'est-ce qu'on a aussi comme truc à faire, comme personnage à faire? On a, oui, le nordique, là. Avec sa barbe. On a plusieurs rhinos en stock. On a aussi ça que j'aimerais garder pour un véhicule. Je pense qu'il va falloir que j'utilise assez rapidement. Bon. Bah on a du stock, chers amis, mais malheureusement, on n'a pas vraiment le stock en quantité. On a beaucoup d'objets, mais pas beaucoup de stock, en fait, précisément. C'est dommage. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. En tout cas, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Nous pouvons trouver le lien dans la barre de la chaîne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter au sujet de l'utilisation d'un pot commun. Apparemment, d'être plus d'accord qu'autre chose, donc c'est tant mieux pour vous. Tant mieux pour nous tous, même, je dirais même. Donc, je vais essayer de faire une vidéo opening une fois que j'aurai suffisamment de sous. Parce que c'est le nerf de la guerre, c'est les sous, frères d'amis. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo!